aujourd'hui un petit topo sur les walking au piano, les lignes de basse. Donc moi je vous conseille dans un premier temps de d'abord travailler les lignes de basse à la blanche, par exemple sur un rhythm changes, donc une anatole, comme ceci. Et de temps en temps peut-être rajouter une noire en plus. Comme vous pouvez remarquer, je rajoute une petite croche en l'air pour donner un effet un petit peu plus swing. L'idée, ça va être de travailler son indépendance, vraiment main gauche, main droite. Rythmiquement, j'essaie d'avoir vraiment ma main droite complètement libre par rapport au placement de la main gauche qui, elle, bien sûr, ne bouge pas. Et vous remarquerez que j'approche souvent les notes de basse par le demi-ton. La bémol vers le sol. Ré bémol vers le do. Sol bémol vers le fa. On n'est pas obligé de faire au demi-ton, on peut faire au ton. Deuxième règle pour faire les walkings, c'est que je ne vais pas hésiter à répéter des notes, comme ceci. Un mouvement mélodique qui revient souvent dans les lignes de basse, c'est celui-ci. Celui qui part de la tonique et qui descend à la sixte inférieure, vers la tierce, pour ensuite remonter vers la quinte et de nouveau vers la tonique. Ce qui est un bon exercice. Par exemple, en si bémol 7, vous allez faire ceci.